Très risqué, Maryse Burgot. Deux matelas transportés sur le toit d'une fourgonnette, repérés par ses membres de la Guardia Civile espagnole et posés délicatement sur le sol. Ces gardes convaincus que ces couchages sont suspects, le conducteur a pris la fuite dès qu'ils ont souhaité inspecter le véhicule et leur pressentiment est juste. Il découpe la toile du premier matelas au couteau. À l'intérieur, un adolescent visage hagard et regard ébloui par la lumière. Même découverte sur le deuxième couchage. La mousse a été retirée pour qu'un être humain puisse s'y allonger. Respirer dans ce huis clos devait être difficile. Mais ces adolescents, sains et saufs, étaient prêts à tout risquer pour rejoindre l'Espagne. Ils ont été arrêtés à Melilla, enclave espagnole en territoire marocain. Leur but était de rejoindre l'Espagne, désormais première porte d'entrée des migrants en Europe. Il y a tout juste un an, les mêmes gardes civils avaient trouvé un Guinéen caché dans une valise. Lui aussi rêvait d'Espagne. Même tentative désespérée pour cet homme dissimulé sur le tableau de bord d'une voiture. Image symbole de la détermination des migrants. Habrá que escribir. ¿Cómo ha sido? Porque tiene que escribir. Espérate. Vamos a abrir aquí, vamos a abrir. Y el otro hay que bajar. Para abrir, vamos a abrir este primero. Vete que te estoy grabando, ¿eh? Menores. ¿Cuántos van, no? Amigo, para el motor. Está grabando, ¿no? Ahí, señora, ¿vale? Cuidado. Vamos a alzar, buena mí. Sal, buena mí, sal. Sal, 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 sal. Ahí está.